Jeux Olympiques d'hiver. Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Alors, ce qui est fort intéressant, je viens de le remarquer, c'est qu'il y a la date et l'heure pour lesquelles j'ai tourné. Je sens que je vais flouter ce truc. Parce qu'en vrai, je peux vous mentir, quand je fais un let's play, vu que j'ai un montage qui est quand même assez conséquent, et que je peux pas tourner quand je veux, et comme je veux d'ailleurs, je ne peux tourner que quand je suis donc dans mon appartement tout seul. Sauf que la moitié du temps, je suis pas chez moi. Il y a les cours, il y a les parents, et tout ça, bref. Vous l'aurez compris, j'ai une vie privée. Donc sur le coup, quand j'ai une après-midi de libre, bah je vais pas vous mentir, je vais au moins tourner 4-5 épisodes d'affilée, quoi. Et c'est ce qui va se passer. Bah oui. Donc là, sur le coup, bon, bah c'est tout à fait normal hein, que vous voyez ces dates-là. Mais bon, pour vous, ça change rien. Hein. C'est juste que ça va vous faire un peu bizarre, mais bon, c'est tout. Donc nous... D'accord. On enchaîne direct. Ok, super. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais nous avons finalement Tails, ou le renard, quoi. Le renard orange, à plusieurs queues, qui nous a rejoint. Et apparemment, c'est un mécano. Donc, théoriquement, eh bien, ce truc-là, il peut le réparer. On va voir ça. D'accord. Bon bah au final tout ce suspense pour rien, je vais pas vous mentir. Hein, je pensais réellement qu'on allait réparer le truc. Et au final non. Il va falloir qu'on attende. Donc c'est pas grave. Vous savez quoi, on s'en fiche. Donc là, ok. Alors, donc là je vais chercher une petite mission qui va nous mettre bien. Oh, il y a un truc là. Je me souviens pas d'être allé ici. Ah oui, d'accord. Ok, bon. On peut pas passer par là. Bon. Allez. Est-ce qu'il y a une petite mission par là? Oui. D'accord, donc là il faut effectuer exprès une pénalité, d'accord. Donc appuie sur le bouton A pendant 15 secondes. D'accord. Bah les amis, je vais pas vous mentir là-dessus, on va peut-être prendre Mario sur ce coup-là. J'ai beaucoup pris Sonic dans le premier épisode, donc là je pense qu'il est normal. Je pense qu'il est normal d'utiliser Mario sur ce coup-là. Ah, il fallait juste spammer le bouton A. D'accord, ok. Et j'ai eu qu'une petite étoile. Quoi ? Alors, ça doit pas être une grosse mission, je pense. Parce que je vois pas comment je pourrais faire autrement. Ok, bon. Je voulais juste voir, il y a quoi ici ? Est-ce qu'on peut rentrer ? Ok, d'accord, donc on peut pas rentrer, je sais pas pourquoi. Les autres missions, je sais pas si on doit les faire. Bah non, normalement il n'y a pas à les faire.
Il y a une mission qui était ici, il y a une mission là. Oh Luigi, mon petit Luigi, j'ai failli partir sans toi. Ok, bon bah atteindre l'arrivée donc avant Luigi, c'est parti les amis. On sait que je suis très fort à ce jeu, donc tout va bien se passer, hein. Bon, je choisis Mario parce que je pense que là, voilà, c'est le petit duel Mario-Luigi. Donc, c'est parti. Ok, c'est génial. Ça, on l'avait pas, ça, tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, dans l'autre épisode. C'est sûr que pour moi, c'est tout à l'heure. Ah! Alors, j'ai pas... J'ai un peu du mal avec le cœur. Ça, c'est une grande côte, j'ai la flemme. Ça, c'est une grande côte, j'ai aussi la flemme. Ok, pour l'instant, nous sommes premiers, les amis, on est plutôt pas mal. Est-ce que vous connaissez la flemme, les gars? Yeah! J'ai du mal quand même à gérer mon cœur. Oh, 3 vies, mais c'est génial ça! Mais oui, mais monsieur, mais oui! Je me suis amélioré ou c'est parce que c'était facile? Bon là je suppose que Luigi va venir nous rejoindre. Donc ça nous fait déjà 4 personnages différents les amis. Et pourquoi c'est Todd qui parle toujours? Mario et Sonic ils sont muets ou quoi? Je vous jure, ça me perturbe hein, qu'il y ait Todd là qui parle tout le temps. Bon, on va garder les autres missions sous le coude. Au cas où, si on n'arrive pas à faire les missions sur les autres maps, on gagnera des cristaux comme ça. Ah ouais, ouais, ouais. Faut la jouer intelligemment, on sait jamais. Ok. Oh, Dr. Eggman. Bon, alors attendez, je veux d'abord voir s'il y a des petites pierres. On dirait qu'il n'y en a pas. C'est mon pote. Wesh, c'est mon pote. C'est mon ami. Pourquoi être aussi familier, ça se trouve voilà, il t'aime pas. Atteint l'arrivée en premier en ski de fond pour battre Eggman. Bah, il y a pas de souci. Quand tu veux mon gars, quand tu veux.
Bonne chance Sonic. On va reprendre Sonic pour la vitesse les amis, vu que là c'est un boss, on rigole pas. Alors, donc sur le coup, ok, c'est ça. Ah, j'aurais peut-être dû prendre Tails, vu qu'il est bon au saut. Je pensais pas que c'était ce mini-jeu, j'ai... Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je pense que ça va le faire. Oh là là, il a fait 100 mètres pile. Ah là là. Ouais, par contre, c'est un peu plus dur que Tails, hein. Je l'admets. Cette masse, ce mec. Allez, c'est parti, les amis. On est chaud? On est chaud et bouillant? Mais oui, bien sûr. Ah, j'ai raté mon départ. C'est génial, ça. Mauvais? Mais quoi? Mais il marche jamais, ce truc. Je vous jure qu'il marche pas. Il détecte pas ma souris ou quoi? Ok, on a fait un truc super. On est pas mal. Donc on a fait un démarrage de caca, la distance 2 points. C'est terrible. Ah, c'est terrible. Oh là là, il a fait un truc parfait. Oh non. Oh, ça pue. Ah, ça pue pour nous, ça, on va pas se mentir sur ce concept, hein, ça pue. Ok, il a 102 points. Je sais pas à quoi ça correspond, mais admettons, ok. Et apparemment, c'est nul. Non, mais je sais pas comment réagir. Ok, ça, c'est déjà bien réussi. Ça, c'est super bien réussi. Ça, c'est moins bien réussi. Et ça c'est parfait, mais oui, mais monsieur, mais oui, mais il fallait pas m'énerver, il fallait pas m'énerver. Donc 56 points, ok, équilibre, je suis nul, hein, par contre, enfin, nul. Par contre, on a 130 points, alors je ne comprends pas le système de points, je le comprends pas. Voilà, je vous admets que je comprends pas le système de points. Là. Ah oui, d'accord, ça c'était que la première partie, super. Donc là, cette mission-là, oh. Oh, j'ai rien! Super! Oh merde, lui aussi! Oh non! C'est pas vrai! Je sais pas s'il y avait réellement des missions, par contre. Pour l'instant, il n'arrive pas à me rattraper, ce qui est une très très bonne chose, les amis. Ah, je croyais que j'avais mon énergie, mais non, je l'ai pas. Ma vie est très nulle, bonjour. Ok, premier tour fait, les amis, on est plutôt pas mal. Bah ouais, moi je passe à côté en mode YOLO. Bon, en vrai j'ai pas fait exprès, mais... Non! Yeah! On l'a dégommé! 3 vies. Bruh. On l'a tout simplement dégommé. Ah, descend. Oh non. Alors ça, c'est l'un des mini-jeux les plus durs du jeu. Ah là là, la descente Super Sonic, c'est dur. Ski et tir, ça peut être marrant, ça, par contre. Oh.
Oh, me dis pas qu'il va accepter quand même. Voilà, c'est nul. Mais non. Oh non, le scénario, mais il vaut que dalle, quoi. C'est déprimant. Tu vois, si on n'avait pas lu le dialogue, on voit un truc noir, donc on devine quand même qu'il va s'échapper. Et on se dit, ouais, bah il a pas le choix, il est obligé de partir comme ça d'un coup. Mais non. D'accord, donc Brickbourg, donc je suppose que c'est la prochaine ville qu'on va voir. C'est un canon, je crois. Alors, bien évidemment, je vais enregistrer la partie parce que. Faut pas déconner. Ah, l'emblème de Sparky, ok. Bon, j'aime moins, déjà. Comme emblème, c'est pas terrible, je trouve. Ok, une petite pierre ici. Alors, donc là, il y a des tonneaux. Ah, il y a des petits cœurs. Quelque chose me dit qu'on va en avoir besoin des cœurs au final. Ok. Même en été, Givreville reste froid. Ok, super. Merci pour l'info. Bon, vous savez quoi, nous allons prendre le canon. Je pense qu'on est bon. Ah, j'adore la musique par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais la musique de derrière, elle est cool. C'est pas comme Dead and Furious, ça c'est sûr. Nous sommes à Brickville, ok, c'est super. LOL, rien que ça. On vole dans le ciel, d'accord, c'est super. Mais arrête avec ton pote. Mais pourquoi c'est familier? Dis mon ami, notre ami, notre pote. Je sais pas, j'aime pas le mot pote, hein, vous l'aurez compris, j'aime pas le mot pote, je trouve ça familier. Bah, si tu arrêtes de parler, Todd, oui, on va y aller, ça c'est sûr. Compte sur moi pour vous aider, ok, cool. Ok, on est bon. Bon bah les amis, je pense qu'on va se laisser ici, et là vous allez dire, quoi? Ce qui est logique. Mais dans la vidéo numéro 1, je vous avais dit que voilà, je savais plus exactement combien de temps il fallait pour faire les maps. Donc je pense qu'on peut faire une map en deux vidéos d'une vingtaine de minutes. Comme ça, c'est pas trop long. J'ai pas envie de faire une map, une vidéo, parce que ça va durer entre 40 minutes et une heure. Et bon, ça fait trop long dans ces cas-là, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, je pense que oui, quand même. Je pense qu'on est d'accord sur ce coup-là. Regardez Professeur Layton, c'est vrai que sur le coup j'aurais peut-être dû couper les vidéos.
Alors par contre, regardez, ah ouais, en fait, il y a 6... Il y a 3 îles sur Terre, dont une qui a déjà la neige, et là, il y en a 3 qui sont dans le ciel. Et donc, on en a fait donc 2... Bah, on a fait un tiers. On a fait un tiers, on a fait 2 îles sur 6 déjà. Bon, bah, c'est pas mal. C'est déjà plus long que ce que je pensais. C'est pas mal. Bon, bah, sur le coup, les amis, je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je sais que sur ce coup-là, ça a été court, ça a été bref. Mais bon, c'était fun quand même, hein. On a quand même bousillé Dr. Eggman, même s'il dit que c'est Eggman Mega, bon, c'est fun quand même, hein, sur ce concept. Je pense que la prochaine fois, je vais utiliser un petit peu Luigi et Thaïs, parce qu'à chaque fois qu'on va être sur une île, je pense qu'on va découvrir d'autres personnages, donc autant utiliser un petit peu tout le monde à la fois, même si je dois vous admettre que mes préférés, c'est quand même Mario et Sonic, hein, pas pour rien, hein, c'est quand même les personnages principaux. Mais bon, voilà, on va essayer de changer un petit peu à chaque fois et de faire en fonction des missions. Là, s'il faut un truc de vitesse, j'essaierai de prendre Thaïs. Allez, on prendra Thaïs et voilà. Mais là, je pense qu'on va avoir des trucs, par contre, vachement différents, mini-jeux. Donc, va falloir qu'on fasse gaffe. Bref, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.